Est-ce que tu peux évoquer la situation quand même politique actuelle pour qu'on ait une idée des forces en présence politiquement en Syrie, au niveau de la population syrienne, telle que toi tu as Bien pu sûr, l'apercevoir? bien sûr. Alors actuellement, suite à la loi des partis, il y a eu 8 partis politiques qui se sont créés. Et 9 maintenant? D'accord. 9 partis politiques, hein, 9 nouveaux partis politiques qui se sont créés, qui ont participé et qui ont présenté, parce qu'il vient d'y avoir le 6 mai, non, le 7 mai, les élections de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée constituante en fait. Tous ces partis ont présenté des listes. Hein. Je reviens au fameux au massacre de Houla, parce que c'est un massacre qui a interpellé beaucoup de gens et tout le monde pense que ça a été fait par les gens du gouvernement. Alors, le massacre de Houla, c'est une famille, c'est des familles alaouites, hein, en fait, qui ont été massacrées, mais c'était des personnes qui continuaient à se battre, hein, qui ont créé des partis, et c'était la personne qui s'était présentée aux élections locales et qui voulait se présenter avec une liste, hein, aux élections nationales, de l'Assemblée nationale. Et la famille Il a de ce été personnage. massacré avec toute sa famille, les enfants, ses femmes, etc. Sa femme et ses enfants, ils ont tous été massacrés. Et c'est ça le massacre de Houla. Alors qu'on n'aille pas dire que c'est le pouvoir qui l'a fait, parce que les enfants en plus, alors les enfants qu'ils ont réunis, c'était des enfants, d'après ce que j'ai compris, c'était de différents endroits qu'ils ont réunis au même endroit, qui ont été kidnappés la veille ou l'avant-veille. Et qui ont été torturés et tués et dépecés. Ralid, je crois, Oui, on alors peut toi, nous tu faire as un des résumé choses parce à dire qu'il y a là-dessus? quand même un comité d'enquête Bien officielle, sûr, une ouais, il y a commission même des d'enquête commissions, bien officielle, sûr. parce que, comme vous le comprendrez facilement, évidemment, les gens dont il s'agit sont des Alaouites, donc supposés être les soutiens de Assad. Et déjà, il y a une petite contradiction dans le fait qu'il aille les massacrer sauvagement. Mais il y a donc une description des faits assez claire et qui me semble parfaitement plausible, que peut-être Khalid Je peux peut vous donner évoquer. quelques détails. En effet, les événements se sont passés avec un certain chronologie. Les groupes qui étaient armés, après la prière de vendredi, se sont assemblés de différents points jusqu'à atteindre un nombre. Ils étaient environ entre 600 et 800 personnes, donc armées jusqu'à donc. Ils ont commencé, comme les trois villages en question sont tous de tissu social mélangé, donc il y avait des sunnites, des alaouites, des chiites de toutes parties. Donc ils ont commencé à démanteler les checkpoints qui étaient autour, qui empêchaient donc de pouvoir travailler tranquillement. Et ils ont fait une bataille de rue avec les checkpoints. Oui, parce que les checkpoints, c'était l'armée C'était qui était l'armée là pour officielle qui protéger protégeait les les familles en civils. question, et puisqu'on savait qu'ils étaient très menacés. Oui. Donc, ça a duré, on va dire, longtemps. Ça a duré jusqu'au soir. Et ils ont arrivé finalement à anéantir un checkpoint complètement, environ 20 soldats. On dit exactement 23 soldats. Mais en contrepartie, les soldats, ils ont pu faire descendre des assaillants, environ une cinquantaine de personnes. Donc suite à ça, ils ont commencé leur assassinat. Ils ont attaqué immédiatement quatre familles. Je n'ai pas de carte pour vous montrer, mais les quatre familles, ils habitent dans des ruelles espacées. Ce n'est pas des adjacents, ce n'est pas à l'image qu'on a commencé à attaquer maison par maison, comme ils ont montré, comme quoi assassinat systématique. Donc la première famille, c'était le frère d'un élu, tout récemment élu à l'Assemblée nationale syrienne, et qui est devenu, je pense, il y a des jours, un peu avant, juste avant les assassinats, le deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale. C'était un élu qui représentait le parti Baas, donc le parti du président Bachar al-Assad. Donc ils ont tué son frère, sa femme et tous les enfants. Et il y avait deux adultes avec eux. L'élu en question s'appelle Abdelmanty Meshleb.
Puis ils ont attaqué deux autres familles qui sont apparentées avec sa femme, la même personne. Et là aussi, donc ils ont massacré tout le monde, femmes, hommes et enfants. Il y avait des voisins qui ont porté secours, de la famille Abdelrazak. Ceux-là aussi sont des partisans, ils étaient massacrés. Suite à ça, ils ont mis les cadavres les uns à côté des autres, et avec leurs propres cadavres, c'est ça ce qui est hallucinant, ils ont mis leurs propres cadavres, avec les cadavres des soldats qui étaient des choc points, plus les cadavres des familles, ça fait les 108 qu'on a parlé aux médias. Ah, mais en fait, il y avait plus que 108, il y avait 144 en tout, il y avait d'autres. Comment ils ont fait pour les autres? C'est qui les autres? Une fois ils ont terminé la mise en scène, la nécessité pour filmer et tout ça, les photos que vous avez eues, donc c'était les photos après avoir rassemblé les enfants et les autres, qu'ils ont rassemblés dans un mosquée. Oui, là, excuse-moi, je t'interromps, on ne parle même pas évidemment du montage ridicule et grossier de la BBC qui a montré des photos irakiennes. Oui, je ne rentre pas encore. Il ne s'agit même pas de ça, évidemment. On est dans des photos réputées, authentiques, véritablement faites en Syrie. Donc les 108 déjà, il y avait une cinquantaine de leurs propres assaillants qu'ils ont mélangés avec tout le monde. Là, ça montre leur dégât d'humanité et de quelle personne il s'agit. Ouais. Bon, après, ils sont partis dans d'autres villes. Enfin, cette ville-là s'appelle, c'est un village qui s'appelle Khola, d'environ 25 000 habitants. Après, ils sont partis dans d'autres villages à côté où ils ont massacré d'autres familles et des paysans qui étaient en train de labourer leur terre. Et là, on est arrivé à 144. Avec les autres. Mais au passage aussi, ils ont brûlé les champs, environ 50 000 mètres carrés de blé, champs de blé. Et ils l'ont brûlé. Et après, ils sont attaqués à un pipeline qu'ils ont explosé. Donc en fait, il y a un champ des événements, d'action. Ils n'ont pas simplement fait des assassinats, ils ont fait toutes sortes de choses. Et évidemment, celui qui réfléchit, surtout par rapport à la nature et à l'identité des victimes, ça ne peut pas être l'État qui est en train de dégorger ses propres fils. Surtout la veille d'une décision, d'une rencontre avec Annan, et la veille des rencontres aux Nations Unies. Donc ça montre les intentions qui sont derrière. Ça, c'est d'un côté. Bon, sans parler maintenant de ce qu'il a évoqué Dominique, les photos truquées qui étaient montrées à la BBC, qui n'est pas truquée, mais qui n'avait rien à voir. Rien à voir. Donc, qui ont été faites en Irak. Le fait de dire qu'elle est de Hula, donc c'est ça le trucage. Elles ont truqué la performance de la photo. C'est des mensonges, carrément, oui, absolument. Donc là, on est en droit de se poser des questions. Ceux qui sont. Quand même, il y avait une frustration médiato-diplomatique derrière tout ça. Ça nous interpelle. À Alep, donc ils utilisent des explosifs qui sont peu connus, qui sont les États des États-Unis, comme le C4, comme le nanothermite, des explosifs qui font de haute chaleur, à haut degré d'explosivité, qui sont réservés uniquement à l'armée américaine. Qu'est-ce qui fait cet explosif-là en Syrie? Sachant que la Syrie n'est pas un importateur des armes américaines. Ni israélienne d'ailleurs, parce qu'on s'est retrouvé avec des armes israéliennes. On pourrait toujours imaginer que par machiavélisme retors, le pouvoir de Assad aurait pu procéder à des achats de ce type de matériel. Mais là où ça devient quand même très difficile à imaginer, c'est qu'il massacre ses proches partisans, ses soutiens, et de manière aussi odieuse au moment où diplomatiquement c'est le plus défavorable pour lui. Donc, sachant maintenant, si on prend cette mise en scène, est-ce possible que les États-Unis lui vendent des armes comme ça, interdites normalement, réservées à leur allié, et en même temps interdisent, avec les sanctions économiques que vous connaissez très bien, la vente de mazout et de produits pétroliers, de produits de base. Il faut oublier qu'il y a un embargo sévère sur la Syrie. Produits alimentaires, carrément. Pour ceux qui l'auraient oublié, il ne faut pas oublier ça. Ouais.
à ce que maintenant. Et des armes qui viennent d'Israël. Oui. Il y avait des armes qui viennent d'Israël. Que disent les gens de l'ONU? Alors, il y a une enquête ou là ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Alors, les gens de l'ONU, ils disent qu'il y a effectivement, ils vont faire une enquête, etc. Et puis que, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, Annan déclare que, de toute façon, le plan Annan, il n'a pas été respecté. Et pour la première fois d'ailleurs, il commence à dire il faudrait quand même que les pays qui arment les rebelles et qui les poussent à la violence, il faudrait quand même qu'ils acceptent les 6 points du plan Annan. C'est la première fois aujourd'hui. Absolument. C'est la première fois qu'une espèce de dialectique est apparue enfin dans les médias pour montrer que le problème était un peu plus compliqué que le laissait supposer Bernard-Henri Lévy. C'est que la commission de la Ligue arabe, qui a été dirigée par M. Dabi aussi, qui était déjà allé en Syrie, etc., a écrit clairement dans son rapport qu'il y avait effectivement des rebelles, des gens de l'opposition armée qui agissaient aussi sur le terrain, etc. Et je vous rappelle, je ne sais pas si vous étiez au courant, le rapport de cette commission, il n'a même pas été lu à l'Assemblée plénière de la Ligue arabe et il n'a même pas été lu au Conseil de sécurité. Pourquoi? Parce qu'il faisait mention justement des rebelles armés qui s'attaquaient à la population. Et là, ça ne leur a pas plu du tout, parce qu'ils espéraient que la commission, que Dabi puisse donner un rapport tel que l'Arabie Saoudite et Qatar voulaient, et tel que les États-Unis et les membres de l'OTAN le voulaient, c'est-à-dire que c'est seulement le scénario réduit à sa plus simple expression, c'est Assad tue son peuple. Or, ça n'a pas été ça. Et donc le premier rapport a été enterré, on a déclaré très vite que la commission de la Ligue arabe a été un échec total, et après il a fallu escalader à chaque fois on escalade les sanctions contre la Syrie. Là, donc, sanctions en plus, même aujourd'hui, donc on dit il y a nouvelles sanctions contre la Syrie. Et puis, à chaque fois, on enterre le rapport. Bon, là, aujourd'hui, le rapport Annan n'a pas été... Annan, ils n'ont pas pu le museler, parce que je pense aussi qu'il y a quelque chose qui commence à changer, étant donné que la Russie dit clairement qu'il y a quand même des bandes armées qui agressent la population. La Russie dit clairement... Ce qu'en principe, n'importe quel reporter, journaliste, témoin, aurait dû le véritablement dire. Présent sur place, d'après ce que m'ont dit tous les témoins qui sont venus m'en parler, peut constater et qui est absolument archi-connu et notoire de toute la population syrienne. Tout à fait, mais de plus, l'Arabie Saoudite ne s'en cache pas, l'Arabie Saoudite et le Qatar ne s'en cachent pas. Ils disent tous les jours, on veut armer l'opposition syrienne, ils le disent. Oui, mais ils sous-entendent l'armée pour lutter contre l'opposition syrienne, pour lutter contre l'armée de Assad. Alors, ils ne précisent pas que c'est aussi pour massacrer très largement, copieusement, La population, et la population qui n'est pas totalement enthousiaste. Absolument. Alors, c'est là que je voudrais que tu reviennes, ou que vous reveniez tous les deux, sur les rapports de force, l'opinion, telle qu'on peut l'imaginer, telle que vous deux, qui n'avez pas forcément les mêmes positions politiques par rapport à la Syrie et au gouvernement de Assad. Peut-être que vous ne serez pas d'ailleurs d'accord, mais est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on peut imaginer ou ce qu'on peut savoir des rapports de force, de qui pense quoi? Tu avais évoqué le fait qu'une des choses qui terrorisait juste avant l'entrée en vigueur du plan de paix, semble-t-il au moins une très large partie de la population syrienne, sinon peut-être la majorité, c'était précisément ce plan de paix. Et pourquoi? Alors, déjà dans l'avion... Moi, déjà dans l'avion, quand j'ai pris l'avion le 7 avril, je partais vers la Syrie. Dans l'avion, je discutais avec une personne qui était à côté de moi.
et qui me dit bah écoutez, vous savez, nous on a la plus grande peur que nous avons, c'est la peur du 10 avril. Et je lui dis, mais pourquoi le 10 avril? Il me dit, parce que le 10 avril, c'est le cessez-le-feu, le soi-disant cessez-le-feu imposé par l'international, imposé par l'international aussi, le fait que la mission Annan va commencer son travail et que l'armée doit se retirer. Et nous, on a vraiment très très peur, parce qu'on va se faire massacrer. Et il me dit, déjà mon frère s'est fait massacrer. Il dit, donc, il était d'Era, le gars. Alors, ce témoignage, a priori, qu'est-ce qu'il représente par rapport à ce qu'on peut imaginer de la population syrienne en général, si on peut faire une évaluation? Ce témoignage, bon, j'ai essayé de vérifier aussi quand je suis arrivée en Syrie, alors avec les informations que j'ai pu récupérer, donc, par exemple, il y a une usine à Alep qui a été carrément brûlée. Alors, c'était des expatriés qui avaient fait venir leur argent, qui ont créé une usine importante de quelques milliards de livres syriennes. C'est une usine qui occupait 4000 ouvriers. Alors, apparemment, ils sont passés, là, les rebelles sont passés une fois, deux fois, ils lui ont demandé des sous, il leur a dit « j'ai pas de sous », etc. L'usine a été brûlée. La personne complètement, alors il a retrouvé son usine, des cendres par terre, et lui il a vu ce qui s'est passé et il a eu un arrêt cardiaque immédiat. Il est mort sur le coup. C'était deux frères qui étaient... Donc en fait, toutes les commerçants, les personnes se faisaient rançonner comme ça. Et après, ils sont passés à un stade supérieur, il me disait, et ils commençaient à kidnapper des enfants et des familles, etc., pour récupérer de l'argent. Et si l'argent n'était pas là, c'est l'argent pour la révolution, n'est-ce pas? Donc c'est ça. Une question.